Aujourd'hui, je vais commettre l'irréparable. Si je vise donc le bâtiment du Crous à Lyon, ce n'est pas par hasard, je vise un lieu politique du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et par extension, le gouvernement. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Deux Points sur les I. Les paroles que je viens de vous lire sont celles d'Anas, 22 ans, étudiant, qui a pris la décision il y a quelques jours de s'immoler par le feu. Oui, oui, s'immoler par le feu. En 2019 en France, on n'est pas en 2011 en Tunisie. Rappelez-vous l'immolation de Mohamed Bouazizi qui avait déclenché la révolution tunisienne. Non, nous sommes en France. Cet étudiant a nommé les responsables dans son message qu'il a posté sur Facebook. Les responsables, ce sont le gouvernement, c'est la politique du gouvernement. Et bien pourtant, figurez-vous que ces derniers jours, les responsables du gouvernement en question, eux, ont fait preuve de la plus grande indécence. Que ce soit Sibeth Ndiaye, Gabriel Attal ou Amélie de Montchalin ont parlé des fragilités qu'avait ce jeune en expliquant que s'il avait fait ça, c'est parce qu'il n'était pas bien dans sa tête. À la violence dont parle Anas dans son message, la violence qui touche les étudiants, la précarité qui touche les étudiants, s'ajoute donc une autre violence symbolique, celle-là, qui est la violence du gouvernement, avec le mépris dont notre gouvernement a fait preuve à l'égard d'Anas et à l'égard de l'ensemble des étudiants ces derniers jours. La réalité des étudiants aujourd'hui, c'est quoi? C'est devoir faire un choix perpétuel entre je remplis mon frigo ou je vais chez le médecin, je fais soigner ma carie ou je paye mon loyer. Aujourd'hui, étudier est devenu un luxe et un parcours du combattant au quotidien, tout simplement pour avoir la possibilité d'accéder à une carrière professionnelle, de devenir des citoyens autonomes, ce qui devrait être à la base un droit. Alors, c'est sûr que cette précarité, elle n'a pas été inventée avec Emmanuel Macron. Mais les politiques qui sont mises en place par Emmanuel Macron, elles aggravent la précarité. La baisse des APL, Parcoursup, la hausse des frais d'inscription pour les étudiants étrangers, la baisse des moyens alloués aux études supérieures, tout ça, ça aggrave cette précarité et ça a des effets concrets sur le quotidien de milliers et de milliers d'étudiants. Alors être étudiant, aujourd'hui en 2019, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la précarité étudiante? C'est quoi les causes politiques de cette précarité? On va parler de tout ça aujourd'hui avec Cyrine. Cyrine a 22 ans, elle est étudiante et c'est l'invitée de ce nouveau numéro de 2 points sur le i. Générique. Bonjour Cyrine. Bonjour Léla. Est-ce que tu pourrais te présenter, Cyrine? Oui, je m'appelle Cyrine, je suis militante de la France Insoumise, je suis étudiante boursière à Paris 1 et Paris 4. D'accord, t'es étudiante en quoi? En droit et en philo. Donc tu fais deux masters? Ouais. Oula, ça doit être chargé les semaines. Oui, c'est assez chargé, mais on s'habitue. Et alors c'est quoi on parle beaucoup de précarité étudiante ces derniers temps. Est-ce que tu pourrais nous raconter, toi, c'est quoi ton quotidien? Tu loges où? Comme je suis boursière, avec un échelon assez élevé, j'ai la chance d'avoir un logement du Crous. Donc je vis en résidence universitaire. D'accord. Et j'ai le droit de l'avoir pendant 5 ans. Donc tu as le droit d'avoir une chambre qui coûte beaucoup moins cher que dans le marché? Ouais. Le loyer, c'est 400 euros pour 19 mètres carrés, c'est vraiment... Ah ouais. C'est correct. D'accord. Quand même. Surtout que sur Paris, je signale à ceux qui nous écoutent, qui ne le savent pas forcément parce qu'ils n'habitent pas Paris, que pour 400 euros, on n'a rien dans le privé. Rien du tout. J'ai des amis qui payent 400 pareil, sauf qu'elles vivent en banlieue assez éloignée et donc ça les pénalise énormément. Elles mettent combien de temps pour venir en cours? Une heure et demie. Oui, parce que si on veut un ne serait-ce qu'un 15 mètres carrés sur Paris, c'est quoi? C'est 800 euros? Enfin, ça dépend des quartiers, mais en plus, en général, les facs, elles sont quand même dans le centre de Paris. Mmh. Et là, c'est hors de prix, quoi. Personne ne peut se payer un appartement dans le centre de Paris quand on est étudiant précaire. D'accord. Donc alors, toi, tu dis tes camarades de classe, quand ils n'ont pas la possibilité d'être en chambre universitaire, donc soit ils habitent très, très loin, très loin, de en Paris. En colocation, souvent. Ouais. Quand on vit en colocation, je sais qu'il y en a qui n'ont pas le même rythme. Il y en a qui vivent, qui sont donc étudiants. Il y en a d'autres qui sont en alternance. Enfin, et c'est pas des super bonnes conditions de travail. Quand on a la chance d'avoir une bourse, c'est déjà un petit peu de beurre dans les épinards. Mais sinon, comment on fait
pour vivre, pour payer justement son logement, ses dépenses quand on est étudiant. Il y a la moitié des étudiants qui travaillent pour payer leurs études, pour payer leur loyer, leur alimentation, etc. Mmh. Et ça les pénalise énormément. Enfin, j'ai vu un tweet de Dominique Seux qui disait « Oh, vous voyez, faut pas donner de bourse aux étudiants parce que la moitié d'entre eux sont en échec. » Mais enfin, c'est un raisonnement circulaire. C'est parce que ils ont pas assez de bourses, qu'ils ont pas assez d'argent, qu'ils travaillent. Mmh. Et du coup, ils peuvent pas réussir. La moitié des étudiants sont en échec, la moitié des étudiants sont obligés de travailler. Donc s'ils sont obligés de travailler, bah, c'est moins de temps pour les études, donc ça mène à des situations d'échec scolaire. Ouais, c'est le serpent qui se mord la queue. Ouais. Et alors si on parle de toi, donc là tu fais un M1, M2 de droit et de philo. T'as grandi où? Alors moi j'ai grandi en Tunisie, enfin je suis née en Tunisie. Et après j'ai vécu en Jordanie et après je suis arrivée en France pour mes études. D'accord, pour tes études après ton bac donc. Ouais. Et est-ce que tu t'attendais à ce que ce soit plus facile, moins facile? Je m'attendais à ce que ce soit dur, mais pas aussi dur. J'avais vraiment une meilleure idée que ça de ce que c'était la France. Ouais. C'est quoi qui t'a le plus surpris? Bah que quand je suis arrivée à la fac, les gens étaient très précaires, les étudiants, que un étudiant sur deux soit obligé de travailler. Tu pensais que être étudiant c'était plus facile que par exemple l'être en Tunisie et en fait. Oui. Clairement, surtout moi j'ai choisi de venir en France aussi parce que sous les années Ben Ali ça s'est beaucoup dégradé l'enseignement en Tunisie et du coup pour avoir une chance d'avoir un meilleur niveau, mes parents aussi m'ont dit va en France quoi, t'as la chance d'y aller, vas-y. D'accord. Même si ça signifiait aussi de faire des sacrifices pour eux, etc. Enfin. Et alors quand tu dis donc t'as été frappé par la précarité qui touche le milieu étudiant. On a parlé de la question du logement, mais elle se manifeste par quoi d'autre? Dans quel autre domaine, cette précarité? L'alimentation. Je crois qu'il y a 65% des étudiants qui ont déjà dit qu'ils avaient déjà sauté un repas parce qu'ils n'avaient pas les moyens de se le payer. Il y a des gens que je connais qui ne mettent pas le chauffage chez eux parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer le chauffage. Les factures, ouais. Ouais. Et sur l'alimentation, il n'y a pas de restaurant universitaire? Alors, oui, il y a des Crous. Mais le prix du repas, c'est 3,30 €. Ah oui, ça a augmenté. Oui, par rapport ça a augmenté. À mon époque. Et quand on calcule, par jour, ça fait. Si on mange midi et soir au Crous, ça fait 6 €. Si on multiplie par le nombre de jours, ça doit faire 160 € par mois. C'est déjà plus élevé que l'échelon zéro de bourse. Quoi. D'accord. Donc même un repas donc à 3,30 €. Mm-hmm. C'est compliqué pour les étudiants de tous les jours se payer deux repas par jour à 3,30 €. Donc alors quand ils peuvent pas aller se payer leur repas à 3,30 €, qu'est-ce qu'ils font? Ils sautent des repas. Toi t'en connais, des camarades de classe. Et alors donc il y a la question donc du logement, de l'alimentation. La santé aussi. La santé. Il y a énormément de gens qui renoncent aux soins, d'étudiants. Pour payer leur logement, surtout. Et, ça va être quel genre de soins, par exemple? Souvent, c'est plutôt ce qui est de l'ordre du cosmétique, aller chez le dentiste ou dermato, etc. Mais il y a beaucoup de gens aussi qui ne vont pas chez le généraliste quand ils ont des petits soucis de santé et qui se disent « bon, je suis un peu fatiguée, je rate, je vais pas en cours, ça ira mieux, quoi ». Y a un étudiant sur trois qui renonce à se soigner. Parce qu'il n'a pas assez d'argent pour le faire. Moi, quand je t'entends, Cyrine, moi, je me dis que j'ai été étudiante il y a maintenant... Il y a plus de 15 ans. Et on a toujours eu l'impression que quand on est étudiant, on passe par une espèce de bizutage social, en fait, quoi. Et moi, d'ailleurs, je me suis toujours dit, être étudiant à Paris, c'est encore plus compliqué que d'être étudiant à Toulouse, comme moi, je l'étais, avec le niveau des loyers, le prix de la vie... les dépenses qui sont autrement plus élevées. Mais là, j'ai l'impression qu'on atteint quand même des sommets et un niveau qu'on ne connaissait pas à l'époque. Comment t'expliques le fait que la précarité étudiante, elle augmente d'année en année de cette manière-là? Sur deux plans, je pense. Il y a déjà de moins en moins de moyens accordés aux universités, aux étudiants. Je crois que le projet de loi de finances
baisse de 20 millions d'euros le budget pour l'enseignement supérieur. D'accord. Et ça se répercute comment, en fait? On dit qu'il y a une baisse de 20 millions d'euros dans le budget, c'est des dépenses de quoi? Les bourses qui n'augmentent pas ou très peu. Enfin, les bourses ont augmenté, mais moins que l'inflation. Mmh. Donc, c'est combien la moyenne des bourses actuellement? C'est combien une bourse? Alors, il y a 7 échelons qui va de 0, qui est l'exonération des frais d'inscription, à l'échelon 7, qui est 650, je crois. Donc ça veut dire qu'en fait, les boursiers, on s'imagine, donc quelqu'un qui touche une bourse, c'est parce que ses parents ne peuvent pas l'aider. Mm-hmm. Ses parents ne peuvent pas lui faire un chèque tous les mois pour l'aider dans ses études. Donc un étudiant qui touche 200 euros de bourse, mm-hmm. ça veut dire qu'il doit vivre avec 200 euros par mois. Oui, si ses parents n'aident pas à côté et qu'ils ne travaillent pas, oui. Enfin... Ou alors être obligé de travailler. Mm-hmm. Toi qui fais un double master en droit et philo, ça prend combien d'heures par semaine? Ça prend une trentaine d'heures, les D'accord. deux cumulées. Mmh. Donc c'est vrai que cette année, je ne peux pas vraiment travailler comme je travaillais en licence, où là, je faisais 8 heures par semaine. Je faisais du babysitting, de l'animation parfois, etc. Mmh. Et tu avais combien d'heures de cours à ce moment-là? Quasiment pareil. Mais comme j'étais en licence, les enjeux étaient différents. D'accord, tu avais une trentaine d'heures de cours, mmh. donc tu faisais donc une dizaine d'heures de babysitting. Mmh. Mmh. Et puis plus, il y a le travail à la maison aussi pour préparer les cours. Ouais, bah ça justement, c'est ce qui passait un peu à côté, quoi. Enfin, ouais. C'est quand je pouvais, je travaillais à côté, enfin, j'allais à la bibliothèque. J'ai l'impression que les étudiants qui sont issus de classes populaires, non seulement on leur confisque leur droit d'étudier, mais aussi on leur confisque le droit à l'excellence. Parce que, concrètement, avoir que 2 heures au lieu de 4 heures pour faire un TD, ça a un impact. Et valider son année à 11 ou valider son année à 14, c'est pas pareil. Et on se retrouve dans des moins bons masters après, on se retrouve sur le marché de l'emploi moins valorisé parce qu'on a été obligé de travailler à côté de ses études. Mais tu me disais tout à l'heure, par exemple, que donc, toi, tu es en master. Tu voudrais faire une thèse, mm-hmm. mais tu sais déjà qu'il n'y aura que les 3 meilleurs ouais, étudiants de ta classe. Par master, ouais. Qui auront droit mm-hmm. à une bourse de thèse. Ouais. C'est aussi les baisses des budgets ouais. pour l'enseignement supérieur. Enfin, mm-hmm. Sinon, on peut aller trouver des financements dans le privé, mais là, la qualité mm-hmm. des recherches. Donc ça veut dire qu'on te demande, tu es obligé, tu es forcé à l'excellence si tu veux faire une thèse. Mm-hmm. Donc, tu es obligé de passer du temps à travailler oui. chez toi. Et ce que tu disais juste à l'instant, donc c'est que ça, c'est pas possible quand on doit travailler à l'extérieur, quand on doit payer un loyer. C'est pour ça qu'on voit que, d'ailleurs, je pense que le nombre d'étudiants boursiers baisse en fait, d'année en année. Je crois qu'il y a 40%, environ 40% des étudiants en licence qui sont boursiers. Et ça baisse à une trentaine de pourcents en M1, etc. Et quand on arrive au doctorat, il n'y a quasiment plus rien quoi, qui reste. Parce que les gens ne peuvent pas se permettre en fait, de continuer. D'accord. Il y a un écrémage, en fait. Ouais, les étudiants boursiers, au fur et à mesure, ils lâchent l'affaire. Ouais. D'accord. Donc c'est une espèce de sélection sociale, en fait. Bah oui, clairement, c'est ça. Et il y a des études où, en médecine, en droit, en prépa, on ne peut pas avoir un job à côté. On ne peut pas avoir un job à côté, pourquoi? C'est trop d'heures, c'est trop de travail en fait à fournir. Quand on sait que la plupart du temps, c'est ce genre d'études qui mènent au meilleur poste après, etc. Bah là, on se dit, on est en fait condamné à rester dans sa classe d'origine. Et juste l'ascenseur ou l'échelle sociale, il y en a pas en fait. Et ce serait quoi alors si tu avais un message à lancer au gouvernement, ce serait quoi là les solutions pour sortir de cette situation et de cette précarité étudiante? Plus de bourses et plus de logements sociaux. Plus de bourses pour plus de monde ou plus oui. de bourses plus élevées, tu veux dire? Les deux. Pour plus de monde aussi, parce que en fait, là, les bourses, elles ont été calculées il y a bien trop longtemps. Mm-hmm. Et ça prend pas en compte la précarisation de la classe moyenne et des enfants de la classe moyenne qui, du coup... Eux aussi auraient droit en fait à avoir des bourses, sauf que ils n'y ont pas droit. Ouais, parce qu'ils ont pas, leurs parents gagnent trop pour qu'ils aient droit à des bourses. Ça, ouais.
mais en même temps, ils ne gagnent pas assez pour financer leurs études, pour leur donner un chèque à chaque fin de mois. Donc du coup, c'est une tranche qui galère. Ouais. Ouais. Donc là, en ce moment, on parle de la précarité étudiante, hélas, parce qu'il y a eu un drame. Ce drame, c'est le geste d'un étudiant de 22 ans qui s'est immolé, qui est actuellement entre la vie et la mort. Comment on peut en arriver là? Comment on peut en arriver à ce geste-là? C'est qu'on est dans une situation de souffrance énorme. La précarité étudiante, ça a aussi pas mal de conséquences psychologiques sur les gens. Je crois qu'il y a 6 à 9% des étudiants qui ont déjà fait une tentative de suicide. Et 1 sur 5 qui a déjà eu des pensées suicidaires. Ça a aussi un impact sur l'estime de soi qu'on peut avoir, sur notre place dans la société. C'est-à-dire qu'on... Par exemple, se dire je suis bon à rien en fait. Ouais, voilà, c'est juste l'instabilité en fait, c'est pas bon pour les gens. Et juste le fait aussi qu'on lui ait confisqué le caractère d'acte politique. Enfin, moi je suis franco-tunisienne et je me rappelle qu'en 2011, la révolution s'est partie de Mohamed Bouazizi qui s'est immolé par le feu. Enfin, pourquoi est-ce qu'en Tunisie ce serait un acte politique et en France, lorsqu'un étudiant, 22 ans quand même, s'immole par le feu, c'est. Juste quelqu'un qui est fragile, enfin, c'est indécent en fait de dire ça, je trouve. Ouais. Les réactions du gouvernement étaient particulièrement indécentes et pleines de mépris. Oui. Et donc tu disais, donc il y a l'impact psychologique donc de la précarité. C'est quelque chose que tu ressens autour de toi, la perte d'estime de soi, de chez tes camarades les plus précaires. Oui, il y a une détresse, enfin une détresse morale aussi, surtout que. Comme on est aussi obligé de travailler, on a forcément de moins bons résultats à côté à la fac. Et ça aussi, ça nous impacte énormément. Enfin, on se dit, bah, si ça se trouve, ma place n'est pas là. Peut-être que je devrais faire autre chose. Enfin, c'est tout un tas de petits mécanismes vicieux aussi qui commencent à s'installer chez les étudiants. Mais enfin, moi, ce que je trouve très, très flippant, c'est que quand on est étudiant, on construit les citoyens du monde de demain. Ouais, bah oui. Donc on est en train de construire toute une génération, là. C'est ça le risque de personnes qui ont une perte d'estime de soi, en plus du fait qu'on ne leur donne pas accès à la carrière professionnelle à laquelle ils aspirent et qu'on empêche en fait, le fait qu'ils fassent des études. Donc c'est quand même quelque chose dont, voilà, qui appelle une réaction politique de la part du gouvernement. Oui, bah, elle se fait attendre quand même la réaction... Ou quand elle existe, elle est très méprisante, en tout cas. Et donc là, il y a des mobilisations, ces derniers temps. Oui, et j'espère que ça va continuer. Enfin, c'est pas que des mobilisations étudiantes, c'est aussi un contexte social plus large qui fait que les gens sont en colère, parce que le gouvernement n'en fait pas assez, ou il en fait, mais pas pour les bonnes personnes. Donc quand il supprime l'ISF, quand il baisse les APL, on voit clairement que là... C'est pas nous qui veut aider, quoi. Ouais, donc la révolte étudiante, il faut aussi la remettre dans un contexte plus large. En lien avec la mobilisation contre la réforme des retraites, les mobilisations des Gilets jaunes dont on fête les un an. En ce moment. Et puis voilà, toute cette mobilisation contre une politique du gouvernement qui agit en faveur de ses copains les riches et d'une minorité, non pas en faveur de l'intérêt général. Donc Cyrine, tu es également militante de la France Insoumise, tu es dans le réseau jeune de la France Insoumise. Quelles sont les propositions de la France Insoumise contre la précarité étudiante? Déjà, c'est la proposition phare, c'est 800 euros d'allocation autonomie pour les étudiants. 800 euros donc pour tous les étudiants. Oui, et plus de logements, construire beaucoup plus de logements du Crous pour qu'on puisse se loger décemment. Avec l'objectif que les étudiants, qu'il n'y ait plus un étudiant en dessous du seuil de pauvreté? Oui. Bah oui, là, c'est 20% des étudiants qui sont en dessous du seuil de pauvreté. D'accord. Donc avec moins de 2,7 euros pour vivre par jour. Alors que si on avait une allocation autonomie, effectivement, on serait autonome déjà de nos parents. C'est important aussi d'être autonome quand on est les citoyens de demain, comme tu disais tout à l'heure. Et puis ce qu'on oublie aussi, c'est que quand on investit dans les études, on investit justement dans la société de demain. Mmh. On investit dans les ingénieurs de demain, les profs de demain, donc dans la qualité de la société de demain aussi. Oui. C'est quelque chose que le gouvernement semble avoir oublié. Oui, là, on nivelle par le bas, quoi. Exactement. Merci, Cyrine. Et bravo pour cette mobilisation.
Bon voilà, les étudiants, ils ont des raisons légitimes d'être en colère, ils ont des raisons légitimes de se mobiliser et leur colère, elle rejoint celle des soignants, elle rejoint celle des gilets jaunes, elle rejoint celle des cheminots et de toutes les personnes qui vont être mobilisées, notamment lors du 5 décembre prochain. C'est la fin de ce nouveau numéro des deux points sur le i. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Hein. Et n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à liker, à vous abonner à la page YouTube et à nous faire vos suggestions pour les invités des prochains numéros. Allez, à bientôt. Salut.